Bonjour à tous. Je vous propose une séance de relaxation pour aujourd'hui. Je pense à tous ceux qui apprécient particulièrement ce moment de détente. Alors écoutez, installez-vous où vous voulez, dans un fauteuil, dans votre canapé, sur votre tapis. Installez-vous confortablement avec des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Et puis, je vous laisse faire pour vous installer. Voilà, prenez place là où vous le souhaitez. Installez-vous bien. Et commencez simplement à faire attention à votre respiration. Vous pouvez très bien fermer les yeux comme les garder ouverts, c'est comme bon vous semble. Placez vos jambes. Installez-les de façon à les décontracter un maximum. Installez votre bassin. Votre dos, ainsi que vos épaules, vos bras et votre tête. Pendant que vous vous installez, vous ne devez plus ressentir aucune contraction, aucun malaise. La position doit vous être complètement confortable. Relâchez un maximum l'ensemble de votre corps et concentrez-vous particulièrement sur votre visage. Laissez votre front se lisser. Laissez vos paupières se détendre, s'alourdir si elles le veulent. Le pourtour de vos yeux et vos pommettes se relâcher. Laissez votre mâchoire se détendre. Desserrez les dents, relâchez bien votre mâchoire. Laissez votre visage tout entier se détendre jusqu'à vos oreilles. Descendez progressivement au niveau de votre cou, de votre nuque. Tout en poursuivant votre relâchement au niveau de votre visage, de votre cou, de votre nuque, relâchez bien vos épaules. Laissez-les tomber, laissez-les s'installer, décontractez-les un maximum. Et laissez vos bras se détendre. Jusqu'à vos poignets, sans oublier vos mains, ni vos doigts. Poursuivez votre relâchement, restez concentré sur ce que vous faites. Gardez votre rythme respiratoire, concentrez-vous sur votre respiration. Et poursuivez votre détente. Laissez le relâchement gagner votre buste. Votre ventre,
Laissez votre détente parcourir tout le long de votre colonne vertébrale, de votre nuque jusqu'à votre bassin. Sentez que votre colonne s'installe, que les muscles au pourtour de votre colonne vertébrale se détendent. Allez chercher la détente en profondeur et laissez la détente se diffuser un petit peu partout dans votre dos. Il faut que vous sentiez cette détente parcourir progressivement votre corps. Laissez la détente atteindre votre bassin de façon à relâcher vos fessiers, de façon à laisser votre bassin s'installer comme il faut, confortablement. Et allez détendre vos cuisses. Vos cuisses, et je poursuis le relâchement tout au long de ma jambe. Jusqu'à mes chevilles, mes pieds et mes orteils. Concentrez-vous pour essayer de sentir cette détente qui gagne petit à petit la moindre petite parcelle de votre corps. Allez chercher la détente jusqu'aux extrémités. N'oubliez aucune partie de votre corps. Laissez-le s'installer. Laissez la détente gagner votre corps tout entier. Et laissez votre tête s'apaiser. Votre tête s'apaiser, votre esprit s'apaiser. Laissez vos pensées quelques instants de côté. Restez concentré sur vous, uniquement sur vous. Vous pouvez vous trouver des images, vous pouvez vous aider de couleurs, visualiser ces images, ces couleurs, peu importe, tant que ça vous apporte du bien-être, de la joie, de la détente. Des rires, des sourires. Laissez votre tête et votre esprit s'évader. S'évader pour rester dans votre détente. S'évader pour vous permettre de faciliter votre détente. Cherchez le bien-être. Allez puiser au fond de vous tout ce qui vous apporte du bien-être. Peu importe ce qui se passe autour, vous êtes concentré sur vous, uniquement sur vous. Lâchez prise au niveau du corps, au niveau des muscles. Un lâcher prise autant que vous le pouvez pour votre esprit durant quelques instants.
Créez-vous votre petit monde, installez-vous dans le monde que vous voulez. Vous pouvez vous sentir voler, léger comme une plume. Vous pouvez vous sentir installé confortablement, comme sur un nuage. Vous pouvez vous sentir bien à n'importe quel endroit, là où vous allez poser votre esprit. La respiration est toujours là. C'est elle qui vous guide. Cette respiration, comme elle vous guide, vous allez la laisser petit à petit devenir un petit peu plus importante. Vous allez prendre des inspirations un peu plus profondes, sans trop exagérer, et vous prenez le temps de souffler. J'aimerais que vous sentiez que cette respiration vous apporte encore plus de bien-être. J'aimerais que ce bien-être, vous alliez l'imprégner au fin fond de vous, au fin fond de votre corps, au plus loin dans votre tête, en plus loin dans votre corps. Laissez le bien-être et la détente s'imprégner en vous. En continuant cette respiration que vous modulez à votre guise, trouvez comme un nouvel élan. Rappelez-vous, l'inspiration, elle est aussi source d'une nouvelle énergie. On va aller puiser à l'extérieur une belle énergie, une nouvelle énergie pour retrouver des sensations. Cherchez dans votre expiration à continuer à évacuer les tensions. Votre inspiration est là pour régénérer, réénergiser. Et votre expiration vous aide à évacuer les tensions, toujours et encore. Les tensions musculaires, les tensions du quotidien, les tensions un peu plus profonde. Avec cette respiration, avec cette inspiration, retrouvez des sensations au niveau de votre corps. Essayez de sentir des sensations à l'intérieur de votre corps. Ça peut être cette énergie qui se diffuse, que vous laissez grandir en vous. Cette énergie que vous allez puiser dans votre inspiration va se diffuser petit à petit. Un peu partout, sans oublier les extrémités. En interne, sentez, essayez vraiment d'avoir un ressenti sur vous, sur votre corps, à l'intérieur de votre corps.
votre corps se réveille de l'intérieur. Laissez gagner ce réveil en gardant toujours votre détente au plus profond de vous. Le réveil sans les tensions. Le réveil avec une nouvelle énergie, avec tout ce que vous avez pu gagner, tout ce que ce moment vous a apporté. C'est encore là. Gardez-le au plus profond de vous. Et lorsque vous vous sentirez prêt de l'intérieur, votre réveil pourra s'extérioriser. Chacun d'entre vous prend son temps pour aller réveiller les parties de son corps en démarrant par où vous voulez et en laissant gagner ce réveil un petit peu partout. Laissez-le parcourir. Laissez vos membres retrouver de la mobilité, votre visage se réveille également. Restez dans votre petit monde à vous. Restez dans ce petit moment que vous vous êtes accordé. Votre réveil peut également s'accompagner d'étirements, petits ou grands. Chacun d'entre vous adopte une gestuelle fluide de façon à réveiller progressivement, éventuellement changer de position, de manière toujours fluide, sans à-coups. La respiration vous accompagne toujours. Elle est la vôtre. Poursuivez votre réveil jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous sentiez que le bien-être est toujours là, la détente est toujours là, ce que vous avez fait est imprégné dans votre corps, dans votre tête. Mais votre réveil est bien là. Chacun d'entre vous gère son réveil jusqu'au bout, comme bon lui semble. J'espère que vous avez réussi à trouver une petite page de paisible en vous. J'espère que vous avez réussi à vous créer votre petit monde à vous de façon à vous évader. Pensez à vous évader autant de fois que vous voulez. Vous pouvez reprendre la vidéo, vous pouvez très bien vous installer, peu importe où vous vous installez, dans le jardin, à écouter les oiseaux. Peu importe, trouvez votre petit cocon à vous, installez-vous dans votre cocon et renouvelez l'expérience autant de fois que vous en avez besoin. Pensez à ça, c'est important pour votre paix intérieure, pour votre corps, pour votre esprit. Prenez soin de vous,
Soyez attentif à vous, à votre corps, à votre tête. Je vous souhaite un bon réveil. Je vous dis à très bientôt.